À savoir que cette grève générale contre l'insécurité, démarrée depuis le 20 février, se poursuit. Et du côté de l'aéroport, les sapeurs-pompiers du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ont déposé un préavis de grève illimité à partir du 30 avril 2018. Ils revendiquent notamment la mise au paiement des primes depuis le 1er octobre 2017, ainsi que des heures supplémentaires de 2017, mais aussi la signature de la convention 10976 SEAM.